Hey tout le monde, c'est Zone Piscien, on se retrouve pour l'épisode 23 ou 22, je sais plus, de Pokémon. Et oui, déjà, ça avance vite, enfin ça va vite. Et j'ai fait un petit entraînement en off, comme vous pouvez le voir. J'ai farmé l'XP. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai utilisé l'accéléré. Regardez le temps de jeu. Voilà, hein. Donc l'accéléré, c'est celui-là, hein. Parce que tout simplement, je n'avais pas le temps. Avec la sortie des nouvelles séries, j'ai manqué de temps. Et du coup, j'étais obligé de... Attendez, j'enlève ma souris. D'utiliser l'accéléré pour farmer l'XP sur mes Pokémon. Parce que j'ai regardé... En gros, aujourd'hui, on va se faire ce champion. Il a son meilleur Pokémon au niveau 47. Alors vous me dites, mais pourquoi t'as augmenté tes Pokémon jusqu'au niveau 52, voire 55 pour Florizarre? On regardera après leurs stats, ce qui a changé. Parce que tout simplement, on va pas se faire que ce champion-là aujourd'hui, on va se faire l'autre champion d'après. Oui, déjà, vous allez me dire. Tout simplement parce qu'ils sont l'un après l'autre. Et l'autre champion, ses Pokémon sont niveau 50 maximum. Vous allez me dire encore, mais... Ouais, 50 quand même, t'as un peu exagéré sur le pexage d'XP. Et ben non, parce qu'on va se faire un troisième boss, Blue, tout simplement, qui est juste après le dernier champion. Sauf que lui, je n'ai pas pu vérifier les niveaux de tous ses Pokémon, mais je pense que c'est niveau 55 le meilleur. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai augmenté autant mes Pokémon, sachant qu'ils vont encore prendre quelques niveaux en combattant les champions et les danseurs dans l'arène de type sol juste après. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'augmenter aussi loin. Mais je sais pas vraiment si c'est niveau 55, parce que j'ai pas pu regarder sur Poképedia. C'était pas dit, et c'est Poképedia, c'est ma référence. D'ailleurs, je sais pas non plus où et quand apprendra Fatal Foudre. Raichu apprendra Fatal Foudre. Alors, il a pas changé d'attaque, lui. C'est surtout ses niveaux qui ont augmenté. Oups. Quant à Kalinos... je disais, mais quand est-ce qu'il, où est-ce qu'il y a des déflagrations? Je suis con, c'est dans l'arène, hein, c'est le champion qui nous la donne. Du coup, on va le faire évoluer dans cet épisode. Parce que il a appris lance-flamme, l'attaque que je voulais. Il a appris niveau 50 ou 51, il me semble. Je sais plus. Donc voilà, je l'ai enlevé, j'ai enlevé au coup de crâne, je crois que c'était. Bref, parce que ça faisait des dégâts dans le cul, ça ne j'aimais pas. Quant à séisme que je disais que je voulais apprendre, je sais pas où elle est déjà. Et il, Arcana ne peut pas la prendre, donc c'est vite vu. Ensuite, Spectrum n'a pas pris d'attaque, il me semble. Bon, de toute façon, je vais pas lui en apprendre. Voilà, hein, comme d'hab, c'est juste son level. Roucarnage non plus. Roucarnage qui était plus dur à entraîner pour moi, parce qu'il se faisait tout le temps empoisonner, parce que j'ai entraîné dans le manoir Pokémon à côté. Et comme il y a des petits poisons, voilà. Florizarre a fait lui apprendre Poudre d'eau niveau 55. Oui, vous vous dites, waouh, il apprend niveau 55 dans cette version. Oui, après, il apprend niveau 23, 22 ou 23, même avant peut-être. Bref, voilà. Et je voulais oublier mes garçons dessus, mais je me suis dit, j'ai déjà Hypno sur Spectrum, c'est pas la peine. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose à vous dire à propos de Spectrum juste après. Léviator, il a pris une attaque. Alors, vous allez me dire, mais t'es fou! J'ai enlevé Hydrocanon et j'ai appris Ultra Laser. Parce que j'avais oublié cette attaque Ultra Laser en fait. Et je me suis. Complètement foiré, j'aurais dû apprendre force à un Pokémon comme Kalinos à la place de, je sais plus s'il a un attaque type normal. Bref, j'aurais dû apprendre force à Kalinos, comme ça j'aurais pu apprendre Ultra Laser, Hydrocanon, Surf et bizarre à un Léviator. Bon, tant pis, j'ai enlevé Hydrocanon parce que Surf est très puissant déjà et je voulais pas enlever bizarre parce qu'après j'étais dans la merde pour des Pokémon Dragon et j'ai mis un PP plus sur bizarre d'ailleurs. Et là on a fait le tour. Alors à propos de Spectrum, j'essayerai le cheat en off sur une autre partie. Mais c'est pas dit que je fasse le cheat pour avoir Ectoplasma, comme je vous ai dit. Parce que, tout simplement, deux de ses attaques sont des CT. Il les apprendra pas. Il les apprendra pas. Peut-être des vos rêves, mais Psycho, il apprendra pas naturellement. Et donc, ça va bloquer, quoi. Si j'ai pas Psycho. Donc, peut-être que je garderai Spectrum pour la fin. Ce Spectrum, quoi. C'était juste pour la classe d'avoir avec Ectoplasma. Donc, après ce blabla qui a duré 5 minutes, on va se faire le champion. Enfin,
Salutations! Mon nom est Auguste. Je suis le champion de l'arène de Croix-Mosile. Mes Pokémon flamboyants vont te réduire en cendres. Ah, j'espère que tu as de l'anti-brûle. Il va bientôt faire très chaud. Et au passage, j'ai rangé mon sac. Et il refait le plein de des potions, etc. J'ai fait les courses, quoi. Alors, il envoie Kenlos. J'ai envoyé aucun âge, d'ailleurs, mais... Ouais, au pif, quoi. Donc, vous voyez, hein, ça vous prend de soutenir au 42, vous allez me dire, hein, mais t'es trop cheaté pour pareil, mais... Comme on se fait tout d'affilée, après, j'allais pas être assez cheaté pour Blue, donc j'aurais dû faire une ellipse en fin de milieu, bref, ça aurait été le bordel, ça aurait fait du montage en plus, ça aurait fait du temps en plus, en moins. Du temps en plus, en moins, oui, c'est français, d'ailleurs. Bref, ça aurait été trop le bordel, du coup, j'ai décidé d'augmenter avant. Alors, je montre au carnage parce qu'il va nous servir la prochaine arène. Alors là, vous allez me dire, mais ils sont au niveau 40, 42, oh, ça, t'aurais pu les augmenter quand même un peu moins. Vous allez voir son dernier Pokémon, niveau 47, c'est totalement abusé, quoi. Ce favoritisme pour le dernier, c'est la première fois qu'on voit ça, quoi. À part chez Blue, quoi. Oh, en marque, non, chez Blue, pas trop. Son au carnage, c'est plus puissant, à chaque fois. Arcanin, on va vite changer. On va l'éclater avec l'Aviator. Donc là, j'aurais totalement éclaté, hein. Voilà, je suis au niveau 47. D'ailleurs, Arcanin est tellement stylé, regardez-moi ça. Et on va l'avoir juste après qu'il aura pris déflagration. Je lui donnerai deux objets d'un coup. L'Aviator monte au niveau 53 au passage. Flouf, je me suis fait vaporiser. Tu as gagné le badge volcan. Je sais pas pourquoi ça fait ce bruit là. Vous avez entendu le... Quand j'ai obtenu le badge. Comme si on ouvrait le menu, quoi. Haha, le badge volcan augmente les spéciales de tes Pokémon. Prends ça aussi. Là, c'était 38. Je me demandais où elle était en fait, mais elle était juste là. Déflagration, et combien un Pokémon de feu Reptincelle ou Gun ou Ponyta feront l'affaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Il faut surtout pas l'apprendre à un Pokémon feu comme je le fais dans cette version. Il faut savoir que Sulfura n'apprend pas déflagration. Naturellement, il faut donner à Sulfura. Mais bon, je vais pas utiliser Sulfura, on s'en fout, faut exister à Polis. Je vais utiliser Arcanin et Arcanin n'apprend pas déflagration. Naturellement non plus. Voilà. Oui, parce que. What? L'éviateur peut apprendre déflagration. Fuck the logic! Un Pokémon au vol peut apprendre déflagration. Donc on va prendre avec Kalinos. Donc j'aurais dû apprendre force à la place de plaquage, mais bon, tant pis. À la place de Flamèche. De toute façon, on s'en servait pas spécialement. Maintenant qu'on annonce flamme et déflagration, je veux dire, ça a chier. Et on va essayer la pierre feu, enfin. Ah, Kalinos évolue. Tellement stylé. Et voilà, on a notre équipe, je pense, au complet. Franchement, je pense pas faire évoluer Spectrum parce que pour les attaques. Puis je suis pas sûr après qu'il soit niveau 52 aussi le l'ectoplasma. Donc voilà, je pense qu'on va garder Spectrum pour la fin du jeu. Donc je vais pas le mettre en première, qu'il y en a aussi, il va se faire défoncer. Pour la prochaine arène, on va mettre. Alors, si c'est un Psola. Ces trois-là, on va pas les mettre. Si c'est l'arène de type sol, il faut savoir que lui, il craint à cause de son type poison. On va mettre les Léviathan. Non, on va mettre Florizarre, tu vois. Donc, on utilisera les trois premiers, là. Et. Alors, souvenez-vous. Parce que vous vous dites. D'accord, t'as un grand missile, il te manque une arène, mais. Où est cette arène? Ben, souvenez-vous, on l'a vu cette arène au tout début du jeu. Ouais, ça peut paraître bizarre, la dernière arène au tout début du jeu. Ren, tu as battu Auguste. Red, tu as battu Auguste. Oui, donc. Hop. Souvenez-vous, au tout début du jeu, on a rencontré cette arène à Jadiel. What the fuck? Pourquoi à Jadiel? Et ben, au tout début, il y avait une arène fermée. Alors, vous allez me dire, mais.
Attendez, j'ai peut-être spoil tout à l'heure. En disant qu'il est... je sais pas si j'ai spoil le nom ou pas. Ah! Bref, je vais vous le spoil de toute façon, donc si je voulais pas encore spoil, je vais vous le spoil. Un Pokémon de Jadiel, champion. Giovanni. My cœur blue. Donc, le champion de cette arène est Giovanni. On va le combattre pour la dernière fois. Il n'était pas là avant parce qu'il faisait ses méfaits avec les Team Rocket et là, il s'est regroupé ici. Salut, champion en air, mais moi, je ne sais pas qui est le champion de Jadiel. Il y a son nom écrit sur la statue à côté de toi. Le combat qui t'attend sera le plus dur de tous. Nos sœurs de cette arène aiment les Pokémon de type sol. Donc, on retrouve le même système que dans la... Non, pas dans la Sif Sarl. C'est dans la Planque Rocket... C'est la Dopole, avec les espèces de machins qui te fait turbuler là. Dans l'infini, au-delà, c'est super, on peut passer par là. D'ailleurs, c'est la seule arène où il y a des objets dedans. Ouais. Là, on va choper l'objet direct. Un rappel, bon, j'en avais fait plein, tant pis. Alors là, on va se faire tous les dresseurs, parce qu'ils sont super bons pour l'XP. Et tu dois être crevé, non? Non. J'aime faire le champion de la reine de Chrome Sud, je suis même pas crevé, quoi. Excuse-moi, je bois un coup, parce qu'à force de parler, ça sèche la bouche. Ah. Donc voilà, moi je joue avec une seule main, je suis comme ça moi. Donc vous avez vu, hein, c'est très bon pour l'XP parce qu'il a des Pokémon évolués comme Triumphicœur, Sablero juste avant, ils sont niveau 40. 40. C'était le niveau du champion d'avant. Vous avez vu, il y a quand même un cran dessus hein, entre les deux arènes alors qu'il n'y a aucun dresseur à se faire à part les... Normalement, il aurait fallu prendre le chemin que j'ai pris pour aller à Croix-Mozille, mais dans l'autre sens. Donc, il y aurait eu les 3 dresseurs avec tes Pokémon niveau 30, les Magikarp à la fin là. Ah, je suis essoufflé. Donc voilà, hein, tout ça pour XP, carrément haut, bref. Excusez-moi, j'ai bu du coca donc je rate. C'est la nature. Gloire, colère, viens te battre. Et ben, si t'es en colère, viens-y. Donc je pense pas qu'on aura le temps de faire vraiment de choses après Blue. Parce que déjà ces 3 combats vont nous s'épuiser. Donc je pense qu'on va se laisser juste après Blue. Et dans le prochain épisode on sera la route de victoire. Qui est assez chiante, je vous l'avoue. Du coup, comme pour le manoir Pokémon, Max repousse. Ça vous évitera les combats. Un peu barbant et juste avant la ligue pexage. Alors je sais pas encore si j'utiliserai l'accéléré comme je l'ai fait pour le pexage avant cet épisode, mais si j'ai pas le temps je l'utiliserai comme parce que voilà, faut que je vous sorte des épisodes à côté. J'ai pas que ce... excusez-moi putain, décidément hein, ce Coca-Cola il fait roter hein. J'ai pas que cette série là hein, à côté, j'ai du Minecraft, j'ai du Laura Kingdom. Vous allez me dire, mais oui, mais tu tiens avec des autres, oui, mais c'est moi qui filme, c'est moi qui fais le montage, c'est moi qui le upload. Bref, et puis j'ai Mirror Edge à côté. Il y a pas mal de travail, hein. Et puis après, il y a s'occuper de la chaîne. J'aide un peu les Firecrux et Pierre Tanticelle à trouver des séries, sachant que. Une personne spéciale vient de finir Valdistory. Hier, il vous a sûrement sorti une vidéo de je sais plus comment il s'appelle le jeu. Tu es très fort. Je sais plus comment il s'appelle le jeu. Et c'est juste une vidéo de présentation parce que il m'a dit que le jeu n'a pas vraiment d'histoire. Bref, j'ai pas bien compris. Je vais t'écraser avec style et élégance. J'ai pas vraiment compris. C'est-à-dire, s'il voit cette vidéo, il va se marrer. J'ai pas vraiment compris le truc en fait. Bref. T'as des rhinocornes à foison, ils envoient. Du coup, il va sûrement sortir qu'une vidéo et la semaine prochaine, il sortira son nouveau let's play ou playthrough, c'est pas encore. Et c'est pas encore sur quoi. Du coup, j'ai l'aide à trouver si c'est un jeu rétro, on sait pas encore. Hein, bref,
au moment où je tourne, on en est mardi. Hein. Donc, on ne sait pas encore ce qui va sortir la semaine prochaine. Tout est tout perdu. Du coup, on statte. C'est le cas de dire, on statte encore. Je suis le roi du karaté, ton destin repose entre mes mains. Super. On sait pas encore ce qu'il va faire. Du coup, je suis obligé d'aider. Mon board alliance, je tourne avec eux quoi, donc du coup ça me fait encore le travail. Voilà, hein, j'ai pas que ça à côté, et puis j'ai un travail en apprentissage. Donc, voilà, hein, pas de ça à faire, moi, d'entraîner les Pokémon sans la vitesse X là. Bon, je pense que vous comprenez quand même. Hein. Bon, depuis tout à l'heure, on explose des Pokémon sol et combat d'ailleurs. Ouais, je mets des combats avec, pourquoi pas. D'ailleurs, je suis en train de me demander. Non, non, c'est pas lui qui a. Je me demande si c'est le champion qui avait ma cognure. Je dis ma cognure. Ouais, ma cognure. Ça sent la fin quand même, hein. Sachant que j'ai sûrement entraîné au moins Florizarre niveau 65 pour la ligue. Parce que c'est niveau 65, c'est le Pokémon le plus fort de Blue. C'est son starter, hein, tout simplement, Dracaufeu, qui va être ce level-là. Voilà, je prends le petit, tout simplement pour. Après, je peux marcher comme ça, ça va plus vite. Bon, il y a de la serre, ok, mais. Sur je vais me faire. Tes Pokémon vont se courber sous mes coups de fouet. Ah ouais, pédopère. Arbok. Ah non, pas Arbok. Ah, du coup, on va utiliser Spectrum quand même. J'utiliserai pas, mais du coup, j'utilise. Fuck that shit. Oh, comment c'est pas efficace. Psycho. Là. Qu'est-ce qu'il va appeler Tauros. Tauros. Ah bah oui. Oui, c'est des membres de la Team Rocket en vrai. Psycho. Hier, Psycho, je crois que j'ai mis un PP Max dessus. Ouais. Ah oui, c'était sur la route. Des ténèbres ultra longues, là. Parce que normalement c'est 10 pp. Là il y en a 12. Là. Aïe. Ouais, t'as mis mal au cul. Hein. Alors là il y a quoi. Sachant que le champion est en haut à gauche, là on s'en rapproche. Pas du tout en fait. J'ai un mur. Le karaté est l'art martial ultime. C'est ultime, j'en sais rien, moi j'ai pas d'arts martiaux. Hein. Matchhopper. Pou 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 pou. On les éclate parce qu'on allait pouvoir leveler, mais. Blue, ça va être un peu plus corsé, il me semble. Ah oh non, remarque. Il me semble que quand je le faisais, mes Pokémon étaient niveau 45. Florizarre était niveau 50. Et j'avais Articodin niveau 50. D'ailleurs, je faisais Cetan juste avec Florizarre et Articodin. Hein. Oui, gros noob. Ok, donc ça va être le dernier. Ah, déjà, elle était fermée depuis longtemps. Mais le champion est enfin revenu. En 20 minutes, quand même, on a fait la moitié de l'épisode. Enfin, la moitié de l'épisode, la moitié de ce que je voulais faire. Oui, Spectrum. C'est quand même dommage pour Ectoplasma. Hein. Je sais qu'il y avait un moyen avec l'émulateur d'échanger. Mais c'était pas avec cet émulateur là. Et c'était pas non plus avec ce jeu là. Donc. Je sais pas. Oh, Nidoking. Putain, j'ai pas réussi à en avoir un. Oh, trop stylé.
C'était avec Ruby, je me souviens. Et c'était avec un animateur DS. Il fallait faire deux players, ça séparait l'écran en deux et tout. Oh, c'était un bordel infâme. Et après, tu pouvais jouer à deux sur l'émulateur. Et bref, je sais pas si ça marchera parce que déjà, c'est pas un jeu GBA, là, c'est un jeu Game Boy. Du coup, ça marchera peut-être pas parce que vous savez, peut-être sur la Nintendo DS, on peut pas mettre de jeu Game Boy. Du coup, sur l'émulateur DS, on peut pas mettre de jeu Game Boy. Enfin, de ROMs Game Boy. Du coup, ça marchera peut-être pas. Enfin, sûrement pas. Et donc voilà, Gavani. Non. Et puis après, il y aura le cheat. Après, je vois pas bien. Mais le cheat, après, on a plus psycho et on aura peut-être pas le même level. Fouahaha, te voici dans mon repère. Je voulais reformer la Team Rocket ici. Mais tu as encore tout fait rater. Je suis furieux. Et ça se sent pas bon pour toi. Une fois de plus, tu oses me défier, moi, le grand Giovanni. Mais aujourd'hui, tu vas déguster. Merci, Avast, de te foutre devant. Putain, Avast, c'est un troll, quoi. Un troll, le machin, il arrive. Tidi, coucou. Ah bah, c'était VPS, ça a été mis à jour. Ah non, il me dit qu'il y a des mises à jour à faire, en fait. Ouais, mais ça va attendre 2 secondes, hein. Fuck. Donc, vous voyez, hein, ces Pokémon sont assez... Carias, niveau 45. J'ai envie de tester. Il est un peu bizarre derrière. Mais on reconnaît quand même un peu la forme. Derrière la queue, la crinière, et à droite un peu plus le corps. On voit les oreilles. Ouais, c'est pas le pire. Oh, il a fait un palcorn. Tu veux jouer à ça? Moi je te fais des flagrations. Voilà. Ah, trio, tiens, on va changer. On va faire un truc. On va utiliser nos 5. On va utiliser 5 Pokémon contre 5 Pokémon. On va changer à chaque fois, ça va être épique. Et on va faire pareil contre Blue. Sauf que là, ça sera 6 contre 6. Alors là, je vais faire bizarre. Boum, 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 boum. Nidoqueen. Nidoqueen, Nidoqueen. Spectrum. Trop stylé. Celui-là, je l'ai, hein. Attention. Ténèbres. Merde, je vais pas faire ténèbres, je vais faire un psycho. J'ai fait bouler tout. Je vais ranger un peu ses attaques à lui. Merde. Hop. Comme ça, il y a Psycho devant, après il y a Ténèbres, et après il y a Hypnose et Tébrave qui... D'ailleurs, Tébrave en dernier. Hypnose avant et Tébrave après, quoi. Comme ça, c'est un peu mieux rangé, et puis j'ai juste à spammer 1 pour faire Psycho. Coup critique, voilà, blablabla. On a explosé. Nidoking. On va changer, on s'en fout. Oh, carnage. Tu fais n'importe quoi. C'est pas son... Ah non, ils sont plus puissants. Oui, c'est vrai, je me souviens, c'est qui. Et vous allez voir son niveau. Totalement abusé. Bon, ça va. Deux coups, sera mort. Pas empoisonné. Je vous l'ai dit. Ce putain de type vol prend tout le temps le poison dans sa gueule, quoi. C'était super chiant quand je le pexais. Il mourra à chaque fois du poison. Du coup, je suis obligé de retourner au centre Pokémon parce que j'ai utilisé tous mes dotations. Hein. J'ai dû en racheter après. Rhinophéros. Et vous allez voir, son level 50. C'est ce qui m'a fait penser que Blue serait plus fort et donc 55. T'es quand même stylé, Rhinophéros, en passant. Bim! Allez! Raid a vaincu Giovanni! Ah! Oh, voilà ce que j'appelle du combat! Tu as gagné! En récompense, voici le badge Terre! Grâce au badge Terre, tous les Pokémon obéiront à tes ordres. Il est le témoignage de ta grande maîtrise des Pokémon. Je pourrai ainsi accéder à la Ligue Pokémon.
C'est un cadeau que je te fais. Va maintenant et deviens le plus grand des dresseurs. C'était 27. Ah mais non. Abîme. Cette attaque peut mettre hors de combat un Pokémon en un seul coup. Je l'ai inventé il y a bien longtemps. Ok, j'ai perdu. Je ne suis plus digne d'être le chef de la Team Rocket. Ainsi, son existence s'achève avec ma défaite. Je vais me retirer loin en ermite pour étudier les Pokémon. Un jour, nos chemins se croiseront à nouveau. Adieu. Et disparition du personnage. Souvenez-vous bien des mots qu'il a dit, ce sera important pour le prochain Pokémon. Voilà. Ah oui, attendez. Fuck. Ça aurait été bien de prendre Abîme à un Pokémon, mais bon, personne ne peut. Abîme, une attaque de type sol qui... Ouais, ça. Pour ceux qui n'avaient pas compris. Il y a tout qui tombe chez moi, c'est super. Alors, on en est à combien? 25 minutes de vidéo. Et ben, on va se faire Blue et puis on se quittera là. Alors, toi, qu'est-ce que c'est? Quoi? C'était Giovanni, le champion? Bah, ça alors. Oui, on se demande qui c'est qui l'a engagé en tant que champion. Tu sais, les gars, ils disent... Ouais, vas-y, on va engager champion, le chef de la Team Rocket comme champion. Comme 8ème champion, quoi. Bon, je pense qu'il le savait pas, hein, mais bon. Voilà. Il faudrait faire un peu plus attention la prochaine fois. League Pokémon. Hein. Pas très bon, quand même. Et là, ouais. C'est le stress qui monte, là. Hein. Regardez-moi ça. Tous les badges. On va faire une petite save, d'ailleurs. Avec mes 92 heures, je... Pour lever. C'est n'importe quoi. Oh là là. C'est bien parce que j'avais pas le temps. Au début, je l'avais dit, j'utiliserai pas et... J'ai pas eu le temps. Dommage. Alors là, on va mettre Raichu en premier. Qu'on n'a pas utilisé depuis... Bye. Oh, si on l'a utilisé dans cet épisode. Bref. On l'a pas utilisé contre Giovanni, hein. Logique, en même temps. Qu'est-ce que tu viens me faire chier? Voilà. Calme-toi. Putain, je me souviens quand on s'entraînait dans ces termes. Enfin, quand je me suis entraîné dans ces termes. Ça fait déjà tout ce temps-là. Bref. Et souvenez-vous de notre deuxième combat contre Blue. C'était ici, déjà. Tiens, Red, quelle bonne surprise, tu es là aussi. Alors comme ça, on va à la Ligue Pokémon. Tu as tous les badges aussi, c'est bien. Eh bien, je vais te casser en deux, Minab. Ta maman te reconnaîtra et t'aura qu'à la couleur de ton petit cartable. Allez, viens prendre ta baffe, Minab. Et d'ailleurs, j'avais pas remarqué un truc, j'avais jamais remarqué, c'est que le skin de Blue change. Souvenez-vous, au début, il était plus du genre tranquille à nous faire un signe et tout. Et là, il est genre agressif et tout, en mode combat, etc. Vous allez voir, quand on le combattra pour la dernière fois, on combattra encore une fois, plus vers la fin du jeu. Et ben, il a encore changé de skin. Enfin, le skin qui apparaît au début du combat. Donc, il envoie un gros carnage niveau 47. Je le voyais peut-être plus fort ce Pokémon en fait. Sur gros carnage en général, c'est un de ses Pokémon les plus forts. Si c'est un des premiers quoi. Rhinocorn. On va essayer un starter versus starter. Starter. Hein. C'est pas dit j'y arrive. Non, on a déjà 30 minutes de vidéo. Non. Ça dure un petit peu plus longtemps, tant pis. Oh, c'est du Pokémon, ça dure pas longtemps à monter, pas longtemps à upload. 9-9. Arcanin. J'utilise totalement les types de Pokémon. Ah, je les voyais quand même beaucoup plus forts ces Pokémon. Ouais, limite Giovanni, il est plus puissant que lui, quoi. Alors qu'il a vaincu Giovanni. Bon, ok, il a des petites plantes et tout, mais voilà quoi. Léviator. Ah, j'ai déjà utilisé Raichu. Léviator. Oh mince. Mon portable se met en veille.
Bah, vous savez quoi, on va faire volcan de vol. Attendez, je suis en train de peut-être dire une connerie. Hein. Les latins, il y a peut-être vol dans cette version. Ouais, bref, on s'en fout. Ouais, il a hydrocanon. Je suis ultra laser. L'aviateur, j'ai bien utilisé dans ce combat. Je perds la boule. Je crois que oui. Contre qui? Oula, je perds la boule. Ça y est, non, je perds la boule. Je perds mes boules. Mes boules. Eh, à aucun âge, je passe un niveau. Oui, j'ai dû l'utiliser. Vu qu'il reste plus que Spectrum. Et Florizard que j'ai pas utilisé. Que j'ai pas utilisé. J'arrive à parler. Oh, un niveau 50 son Alakazam. Ah ouais. Il a quand même bien monté. On va faire l'hypnose. Non. Non. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Hypnose. Nope. Oui. 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 Hein, j'utilise pas de potion. Faut que ça du shit. Hein. Ça chasse strat. Bon, tant pis. Ça a pas marché. Oh, c'est dommage, j'aurais voulu faire un du 1 versus 1 à chaque fois, mais bon, tant pis. You know what? On va mettre Arcana. J'allais mettre les Léviathan, mais je vais mettre Arcana du coup. Voilà. Hein? Sartek, la Kazam, je sais pas ce que je veux dire, mais Sartek. Bah, tu commences à m'énerver là? Lance flamme! Oh non! T'as commencé à me saouler là! Ouais! Prise de catch! Et drac au feu! C'est pas du tout sûr que j'y arrive. 53. Ouais, ouais, ouais. J'avais été pas loin avec mon niveau 55, n'empêche. On va essayer de la grosse attaque directe. C'est chiant que ouais voilà il va me faire du lance-flamme. Boulou 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 boulou. D'ailleurs je l'avais pas fait en vidéo. Oh là 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 là. Non. Ça passera pas, ça passera pas. Non, non, non. Tant pis. Ça aurait été épique. Au moins ils sont du même level là. On lui faire ultra laser d'ailleurs, je suis pas sûr d'avoir montré hein. Une vidéo non plus. Ah bah non, j'ai eu ce coup là donc. Voilà. Normalement, après il y a un tour de recharge. Red Amati Blue. Quoi? Je pensais à autre chose. Ouais, pensais à ta petite bite. Tu m'amusais un peu. Je suis chaud pour la Ligue Pokémon. Red, t'es vraiment un minable. Mais je crois que tu commences à le savoir, minable. Je t'emmerde. Tu viens quand je t'éclaterai à la ligne. Et les ratata commencent à me saouler là. Hein. Je vais peut-être utiliser un max repousse pour traverser ces herbes. Bref, alors, on va se laisser là pour cet épisode qui aura duré une trentaine de minutes, 35 minutes. Grand maximum le temps de papoter. Dans le prochain épisode, on se fera la route de victoire. Alors, je suis vraiment pas sûr de réussir en un épisode, encore une fois. Si j'arrive pas en épisode, tant pis. Non, je vais le faire en un épisode parce que. Sinon, si je fais traîner sur un autre épisode, après je devrais commencer la ligue. Et je la ligue, je vais la faire en un épisode aussi. Du coup, on fera la route victoire en épisode. Je vais y arriver. La prochaine fois, donc lundi prochain. Je vais pas entraîner mes Pokémon en off pour l'instant, là ils sont en CO. Mais après, je les entraînerai pour la ligue une fois que la route victoire sera finie. Qui qu'on va mettre en premier, Spectrum. Donc j'essaierai pour Spectrum. Enfin, Ectoplasma quoi. Mais n'espérez pas l'Ectoplasma en fait, parce que je pense vraiment pas réussir. Je pensais vraiment que ça aurait été plus facile que ça, mais bon. Fuck you. Ça commence vraiment à faire chier.
Et puis je vous dis donc à lundi pour la route victoire et ça sera presque l'épisode final. Bon, à vous de voir. Allez, à la prochaine.